Mie nilikuwa mtoto mdogo na siwewe wakisoda kisha wakinikuwa nikamata wakiniwewa mkazi yao. Mie nilionaka na tuko naenda kuvita, wengine wako nakufa na bunduki hakuna masasi, nikiona na siwezi kufa na ningali mdogo nikitoka vile. Juu tuliwatoka kawale Wanyarwanda, alisemaka se walikuwa nasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mali yote, baiwewe Kagame siye tubakie vile. Na se tukeona genzi tuko M23, genzi tuko watumwa yabo, njo tuketoka vile. Na tulikamataka zile masiraha za FARDC, zilikuwa nahazia na zile machuma za ndani za kupiga malisasi, saba natutia mbele wale Banyarwanda wanaona genzi tuko napigiwa wanatucheka. Ninataka genzi niko mtoto nirudie kwetu, siku hadui watamutosha kwetu, niende nikali na jamaa yangu nichunge ngombe zetu. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces là où j'étais à Boucha et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec des bons salaires. En lieu et place de nous donner des salaires, ku M23 nikajirandre ku FARDC parce que nilikuwa natatizwa na bashefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika, kukula hakutukulake. Nikaona mimi ile maisha sitaiweza. Nikatoka huko. Hatukukua nalipiwa, ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Kumwanzo tulikuwa tunabaanimia, lakini kufatana na vita ginsi lijiderule tukaona hawana nguvu, kitumaini kwabo kikakatika, cho tukabatoka. Mimi ninataka FARDC niintegre ili nigombanie nchi yangu na niokowe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est qu'un mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre.